Hugo Capelli, vous êtes dans un bar du 10e arrondissement de Paris où les soutiens d'Emmanuel Macron sont venus en nombre, Hugo. Exactement, il y a déjà une bonne ambiance. Il y a près de 500 personnes qui sont attendues ici. Alors vous allez voir sur ces images, il y a des jeunes militants, mais aussi des élus. Certains étaient déjà des partisans en 2017. Ils attendent évidemment à nouveau cet affrontement avec impatience. On va en parler tout de suite avec Ambroise Méjean, des jeunes avec Macron. Bonsoir Ambroise, qu'est-ce que vous attendez de ce débat ce soir ? Ce débat, c'est un moment de vérité. C'est là où le président de la République va pouvoir montrer le projet qu'il a pour la France, qu'il porte pour la France, qui est un projet positif, ambitieux pour l'avenir. Et qui va pouvoir dévoiler aussi ce qui a été trop longtemps caché dans cette campagne, c'est-à-dire le visage de l'extrême droite. Voilà ce qu'il va le faire. Et voilà pourquoi on est là ce soir. On est là pour le soutenir physiquement et pour le soutenir sur les réseaux sociaux. C'est ça que nos militants vont faire ce soir.